Où est-ce que je peux vous déposer? Alors, à Roland-Garros. Très bien, on y va. Tu peux nous expliquer ton surnom Poussin? Je pourrais, mais c'est long, mais à la base, c'est vraiment une connerie, donc c'est vraiment pas un surnom. C'est mignon, ça vient d'où? Bah, ça vient que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment encore... Bon, déjà, je suis déjà fin, j'étais en plus très petit. Donc voilà, c'était Petit Poussin. Un peu de musculation, ça marche pas, ça sert à rien. Michael Chang, point d'interrogation, je dois dire quoi? Alors, est-ce que c'est pas un Michael Chang qui est arrivé en premier? Est-ce que c'était mon joueur préféré? Si, parce que comme moi, c'était un petit poussin. Les protéines. Ça fait quoi d'être considéré comme un mousquetaire? Alors déjà, je ne sais pas qui nous considère comme les mousquetaires. La presse nous a appelés comme ça. Nous, on n'avait pas vraiment demandé à la base. Donc voilà, on s'en accommode, mais on sait qu'on est très loin des vrais. T'as une image d'un télo sur le circuit, ça te fait marrer ou ça t'énerve? Alors, je ne pense pas avoir une image d'un télo sur le circuit. Peut-être de l'extérieur, mais surtout pas sur le circuit. Finalement, c'est pas un handicap d'être un joueur français pour Roland-Garros. Trois petits points. C'est bien parce que les questions incitent en réponse en fait. On a pas vraiment guidé, voilà, t'es obligé de dire ça. C'est pas un handicap, moi j'ai toujours dit les deux. C'est difficile au début et quand ça se passe bien, qu'on se sent bien, c'est un gros avantage. Mais comme moi pour l'instant c'est jamais bien passé, j'ai que le handicap. Mon plus grand défaut. C'est dur ça à chaque fois. Mon plus grand défaut, je parle trop. Merci pour tout. Ça marche. Bonne journée. Merci. Hop, je vais essayer de pas tout casser en sortant.